Les du bar et oh oh et le coffre oh sont dedans. Monsieur Anderson, ça pourrait être ça? C'est ça. Incroyable. Faut vraiment que je nettoie mes lunettes. Un miracle. Super. Leslie, mets la table. Pendant que je montre à Michael ma collection de vins. D'accord. Allons-y, Michael. C'est juste en haut. Monsieur Anderson, vous gardez votre vin dans un coffre-fort? Non. On peut gagner beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai volé mon premier billet à ma propre famille. C'était de l'argent pour le traitement de mon frère. Mais j'ai décidé qu'il valait mieux créer une entreprise avec ça parce que il avait un cancer de stade 4. Il allait mourir de toute façon. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Vraiment? Dans ce cas, ne dis rien. Prends l'argent. Et ne touche plus un seul cheveu de ma fille. Monsieur, pour le portefeuille, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu es né dans une famille pauvre, ouais. Mais tu as réussi à te frayer un chemin à l'école. C'est bien. Toi, tu travailles chaque fois que t'as un moment de libre. Je respecte ça. Pour quelqu'un comme lui, l'honnêteté viendra toujours en second. Il avait tellement faim quand il était enfant qu'il n'oubliera jamais ce sentiment. Mais où est la limite? Il est prêt à faire n'importe quoi. Pour de l'argent? Monsieur Anderson, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Je t'ai déjà donné une chance, Michael. Juste prends l'argent et pars! Sinon, Leslie découvrira tout sur notre incident de ce matin. Ça va être dur.